Je sais que c'était pas prévu, mais j'ai un aveu à te faire. Je suis si heureux d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie. Attends, un instant. J'ai tout inventé dans ma tête? C'était l'amour de ma vie, tu comprends? C'est vrai, on allait se marier. Vous êtes restés ensemble 2 mois? Non, 2 mois et demi, Noni. Et tu le sais. Tu es célibataire et libre maintenant. Tu peux faire absolument tout ce qui te plaît. Je suis célibataire. Ouais! Bon, le principe est très simple, d'accord? Première règle, ne donne jamais ton numéro. Deuxième règle, ne parle pas de tes ex. Troisième règle, ne couche pas plus d'une fois avec le même, sinon ça devient une relation de couple. On pourrait essayer d'être amis, toi et moi, pour commencer, ce serait... Sauf qu'on peut pas être amis quand on a couché avec la personne. Et qu'est-ce qui te permet d'en être aussi sûr? L'expérience. Ok, attends, non, l'expérience, qui est quoi? Quelle expérience? Comment t'arrives à te contenter d'aussi peu? Écoute, tu vis dans un conte de fées. Les types de son genre ne t'aiment pas, d'accord? Ils se servent de toi, ils te plaquent et tu les laisses faire. Et si c'était l'homme de ma vie? Oui, je crois qu'on ferait mieux d'en rester là. Oui, on pourrait en rester là demain, non? Ouais. Demain. Ouais, tu sais quoi? Demain. Oh, je t'avais pas reconnu ce soir avec ta perruque. C'est toi, super pleureuse.